Sur la question des moyens, il n'y a pas une table ronde à laquelle j'ai participé où vous n'ayez évoqué la question. Et derrière le sujet, vous parlez très concrètement du nombre d'élèves par classe, et notamment en classe de seconde, et du nombre de postes. Il y a aussi, mais cela est moins souvent évoqué, la façon dont on répartit les moyens entre des lycées très différents. Beaucoup de professeurs me l'ont dit. Ce n'est évidemment pas la même chose d'enseigner en classe de seconde devant 35 élèves très différents, les uns des autres, ou en classe préparatoire devant les futurs candidats aux grandes écoles. Ma conviction à ce stade de ma mission est qu'avec une meilleure répartition des moyens, on peut considérablement améliorer la situation au lycée, mais qu'on ne peut pas donner pour objectif à une réforme de diminuer le nombre des emplois. Alors, où doit-on concentrer les efforts? Quels sont vos constats dans votre établissement? Quelles sont vos propositions? Merci de nous adresser vos vidéos ou vos commentaires écrits.